Et regardez, on est sur la mer et on va prendre ce canal. Pourquoi on va prendre ce canal? Pour arriver au ponton du Old Coast Can Golf Links, le parcours de Victor Dubuisson. Il a fait peau neuve récemment, notamment ce trou numéro 13 qui a l'air fantastique. Et on va découvrir tout ça. Check the mic and make sure it sound right, boys. Par des bactilles, il y a cette toiture, comme vous avez pu le voir, une espèce de toiture d'arbres, de pins, de branches qui s'entremêlent, qui fusionnent. C'est très joli à voir. Après, à jouer, c'est assez anxiogène. Ouais, voilà, tout à fait. Donc là, la volonté, c'est un peu de dégager le ciel et surtout de surélever ce départ pour avoir une vue mer. Parce qu'en fait, la mer, elle est à quelques dizaines de mètres de là. On la sent, on l'entend quand les vagues frappent la côte. Voilà, c'est aussi voilà des améliorations un peu pour être cohérent sur tout ce qu'on propose et aussi apporter le petit plus qui n'était pas jusqu'à présent, qui est de l'émotion quoi. C'est vrai que sur les deux dernières années, on a travaillé le 12, on a refait complètement le devant de green avec un nouveau bunker. Le green a été relevé. Après, on a évidemment la pièce d'eau 18 qui a été le premier trou signature, si on peut dire, parce que c'est l'arrivée. Il manquait cette petite pièce d'eau où on pouvait avoir du coup un drapeau un peu fun à jouer. Numéro 13 qui vient même pas d'être rénové, qui vient d'être totalement reconstruit. Toute la pièce d'eau qu'on voit là, n'existait pas. C'est un obstacle d'eau qui a été créé de toutes pièces. Avant il y avait un bunker et c'est une pièce, apparemment c'est un trou qui a été aussi construit en partenariat, enfin plutôt Victor Dubuisson a donné ses éclairages pour construire ce trou et créer cet obstacle d'eau magnifique qui rajoute vraiment du piment à ce trou. C'est le gros chantier qu'on a pu mener pendant cette période de confinement. On a carrément créé une pièce d'eau, on a surélevé le fairway. Le but, ce n'est pas de rendre difficile pour rendre difficile, c'est toujours une réflexion sur l'aspect visuel, une cohérence. Quand on arrive au départ du 13, d'ailleurs, on ne la voit pas, cette pièce d'eau. On la découvre au fur et à mesure. C'est plus difficile, c'est aussi, ça permet d'apporter un peu une dimension de stratégie sur le parcours, sans forcément vraiment dégoûter le joueur. Hein. Il n'est pas injouable, hein, ce par 5, mais voilà, il pousse à la réflexion tout en étant un décor particulièrement sympa, quoi, et agréable. C'est la maison de Victor ici. Il y est très souvent quand il n'est pas en tournoi. Il adore jouer ce parcours-là. Donc là, ça fait 2 ans qu'il y a des énormes travaux d'amélioration qui ont été entrepris. Et à chaque fois, il est impliqué, on l'écoute parce qu'il a une vision. C'est quelqu'un quand même de talentueux et surtout, c'est que c'est sa maison. Donc c'est toujours agréable quand quelqu'un du cru donne son sentiment sur tel ou tel trou, telle amélioration à faire sur le tracé, ce qu'on pourrait faire pour le fairway, tout, enfin, sans jamais perdre de vue que c'est un parcours qui est tourné aussi à 90% pour des joueurs de tout niveau.